Bonjour, je vous propose de réaliser une application de type Click and Collect ou Uber Eats. Vous serez le manager de cette application et depuis votre PC, vous déposerez sur le web un catalogue de restaurants géolocalisés. Chaque restaurateur pourra aussi, depuis son PC, déposer une description de son restaurant avec la liste des plats qu'il propose. Les clients utiliseront votre application pour s'identifier, choisir un catalogue, par exemple les restaurants à Paris, et afficher sur la carte la liste de ce catalogue. Ils pourront ensuite sélectionner un restaurant pour afficher son nom, son adresse et la liste des plats proposés, avec une image, un nom, un prix et une liste d'ingrédients. Puis, ils vont préparer la commande en ajoutant ou en supprimant des plats, ici deux hamburgers, une salade et une bouteille de Bordeaux. Ils pourront ensuite valider leur commande. Le détail sera alors affiché avec le nom et l'adresse du client, celle du restaurateur et le détail des plats commandés. L'utilisateur pourra alors confirmer et un SMS sera envoyé au restaurateur. Ce SMS contient les adresses et vous pourrez vous faire une idée du temps de livraison en examinant la carte et l'itinéraire, ici à peu près 24 minutes. On pourra ensuite faire appel à des coursiers, mais ça sera dans une vidéo suivante. Les données de cette application correspondent à des restaurants, mais vous pourrez aussi l'utiliser pour d'autres activités comme des fleuristes ou des épiceries. Donc, ce que je vous propose avec ce projet, c'est de développer une application informatique, mais c'est surtout d'aborder la notion de modèle et de flux de données appliqués à des échanges commerciaux. Techniquement, il est assez simple de maîtriser des activités que nous avons abandonnées à des entreprises comme Uber. Comme ces entreprises, nous pouvons mobiliser l'informatique au service d'un projet. Ça n'est pas si compliqué et cette vidéo vous est proposée avec tout ce dont vous aurez besoin, dont les données et les programmes, toutes les ressources étant gratuites, y compris le serveur de données. Les liens vers ces ressources sont précisés dans la version documentaire à cette adresse. Par exemple, ici, le lien vers la dernière version de la vidéo, vers une playlist de vidéos complémentaires, vers les données et les programmes ou vers les planches. Alors, on a trois choses à faire. D'abord, trouver des outils pour partager les données sur Internet. Ensuite, définir ces données, puis exploiter les données avec un algorithme. Ça correspond aux principales activités dans la réalisation d'un projet. On est déjà en train de décomposer le projet et on va devoir définir les données, puis les algorithmes. Ce diagramme que l'on doit à Janet Wing correspond à ce que l'on appelle le computational thinking. Et en fait, il décrit aussi la manière dont nous utilisons notre cerveau. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est l'importance de la première étape de décomposition, en particulier dans celle des flux de données que je viens de faire. Dans cette description, j'ai déjà choisi un modèle d'activité ou un business model. Les clients passent directement commande au restaurateur, sans passer par le manager. On est dans une logique décentralisée, différente de celle de sociétés comme Uber qui centralise les transactions. Si vous avez un peu de temps, faites une pause et redessinez les flux pour qu'ils correspondent mieux à des sociétés comme Uber, où clients, restaurateurs et coursiers n'échangent jamais en direct. Donc, ça devrait donner quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il y a un lien entre le modèle d'activité et des choix que l'on fait au début. Et pour éviter de se tromper, on utilise des techniques comme le design thinking, ou le prototypage papier dont je vous dis un mot dans la doc. On va voir maintenant notre programme de travail. Cette vidéo peut évoluer, donc vérifiez que vous regardez la dernière version à cette adresse. Nous allons d'abord créer un site ou un serveur web avec un compte GitHub et tester son fonctionnement en partageant un fichier et en vérifiant sa lecture depuis un navigateur. Si vous connaissez déjà GitHub Pages, vous pouvez passer cette étape. Vous pourrez aussi utiliser Dropbox au lieu de GitHub. Ensuite, nous passerons à la définition, à l'organisation et à la création de données en utilisant le format JSON pour décrire les restaurants et le format GeoJSON pour décrire les catalogues. Nous verrons comment créer et vérifier ces données, un catalogue de restaurants et pour chaque restaurant, un répertoire avec la description du restaurant et les images de plats. Puis nous les téléchargerons dans le serveur GitHub. Vous pourrez faire la même chose avec Dropbox ou votre propre serveur, comme les pages perso de Free ou d'Orange. Nous verrons enfin comment définir les propriétés du catalogue GeoJSON pour qu'il soit facile à exploiter par App Inventor avec la fonction Load from URL.
Nous vous recommandons de regarder le chapitre 2, même si vous connaissez JSON et GeoJSON. À ce stade, il n'est pas encore utile de créer votre serveur ni vos données, donc ne passez pas trop de temps sur ces deux chapitres. Vous y reviendrez plus tard. Je vous les présente au début, car sinon, l'exploitation des données dans App Inventor serait incompréhensible. Mais jusqu'à la fin du chapitre 3, vous pourrez utiliser les jeux de données déjà préparés et mis à votre disposition. Une fois qu'on a vu comment créer et servir des données, on va passer au développement de l'application avec App Inventor et on va le faire par étapes. La première version, V1, consiste à afficher une carte avec la liste des restaurants. Il faut 4 lignes de code. La seconde, V2A, consiste à afficher aussi les données du restaurant sur lequel on a cliqué, 15 lignes de code. Si vous arrivez jusque-là, c'est super. En fait, vous aurez vu l'essentiel, la lecture et l'affichage sur une carte d'une liste de fournisseurs, puis la lecture et l'affichage des produits du fournisseur sélectionné. Vous pourrez commencer à vous amuser. Ensuite, il y a un petit passage désagréable avec la version 2B. Dans cette version, on va vérifier que l'application est protégée des erreurs possibles, principalement sur les données en entrée. On appelle ça du codage défensif. On verra que la version précédente ne marche que si les plats sont décrits par une chaîne de caractères, et on va modifier le programme pour lire des plats qui sont décrits sous forme d'objets ou de dictionnaires, avec un nom, un prix, des ingrédients et une image. Cette nouvelle description, ou ce nouveau modèle de données, est mieux adapté au passage de commandes par les clients. On va faire deux autres choses dans cette version. Premièrement, on va gérer ce qu'on appelle les URL ou adresses relatives qui vont remplacer les adresses absolues des fichiers JSON et des images. Ça va simplifier les échanges de données car le chemin d'accès aux données n'est plus utilisé dans les fichiers JSON. Par contre, dans le programme App Inventor, on devra reconstruire les adresses absolues. Deuxièmement, on va corriger les adresses Dropbox et Google Drive pour qu'elles fonctionnent avec un simple copier-coller. Alors, vous pouvez passer sur les détails de cette version. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance du contrôle des données, la simplification des échanges avec les adresses relatives et la prise en compte d'un modèle de données où les plats sont décrits comme des objets ou dictionnaires. Dans la version suivante, après avoir vu l'affichage de la liste des restaurants sur la carte et l'affichage des données du restaurant sélectionné, on va s'intéresser à l'identification de l'utilisateur et à l'enregistrement de son profil et de ses préférences. En fait, vous voyez que notre application est décomposée en trois activités ou trois petits programmes pratiquement indépendants, mais qui vont s'échanger des informations ou bien en direct ou bien à travers une petite base de données. Dans la version 3B, on va passer la commande et dans la version 3C, on ajoutera de petites améliorations. L'essentiel des notions à comprendre se trouve dans les versions 1 et 2A, avec l'affichage de la carte suivi de la lecture et du décodage des données JSON de restaurant, la description du modèle de produit avec JSON et son exploitation avec les dictionnaires mérite également toute votre attention. C'est elle qui permet de construire une commande. Donc, en résumé, passez assez vite sur les chapitres 1 et 2 pour y revenir après et prenez du temps sur les deux premières versions. Ne restez pas bloqué sur un détail. De toute façon, toutes les versions vous sont fournies. L'important, c'est la vue d'ensemble. Et pour vous repérer dans la vidéo, le numéro et le nom du chapitre sont rappelés dans le bandeau en bas à gauche. Les temps sont indiqués dans le plan et sur YouTube, vous pouvez aussi cliquer directement sur les chapitres dans la description. Pour conclure l'introduction sur les prérequis, on a vu qu'il fallait entre 4 et 15 lignes de code pour les premières versions de l'application. Ce n'est pas beaucoup, mais il vaut mieux que vous ayez déjà une première expérience avec App Inventor. Des exercices plus simples vous sont proposés ici. Ce projet aborde les notions de données avec JSON et GeoJSON, les serveurs avec GitHub ou Dropbox, les flux sur Internet, la géolocalisation, les cartes, les dictionnaires et les BD, etc. Ces notions sont présentées et vous verrez une manière de les utiliser sur un cas concret. Et si vous voulez approfondir, des vidéos d'accompagnement sont proposées dans la documentation. Les moyens utilisés comprennent un PC avec accès à Internet et un smartphone, Android pour l'instant. Il n'y a rien à installer sur votre PC. Toutes les ressources logicielles sont gratuites ou en accès libre avec un navigateur, App Inventor pour le développement, GitHub, Dropbox ou un autre serveur, JSON Editor Online pour la création, l'édition et la vérification des données JSON, geojson.io pour la création et l'édition des données géolocalisées,
et j'utilise personnellement Firefox et parfois Notepad++ comme éditeur. Les ressources fournies comprennent tous les codes sources accessibles depuis App Inventor dans un repository, toutes les données accessibles sur GitHub ou à cette adresse, les planches et un support de cours à ces adresses, et si vous voulez partager vos données en Creative Commons, envoyez-les-moi. Voyons maintenant la mise en place du serveur de données. En première lecture, passez rapidement sur ce chapitre, car vous n'aurez pas besoin de votre serveur avant la fin des développements. Pour l'instant, il suffit de comprendre de quoi il s'agit. Les données sur Internet sont hébergées par des serveurs et on y accède par leur adresse ou URL, Uniform Resource Locator. Plusieurs outils permettent d'utiliser ou de déployer un serveur. Ici, la première adresse utilise un serveur GitHub, la seconde utilise les pages perso de Free, la troisième mon domaine sur OVH, la quatrième Dropbox et la cinquième Google Drive. Ces adresses renvoient les données ou les affichent dans une page web. Je vous présenterai la solution GitHub qui propose un serveur statique gratuit jusqu'à 500 mégaoctets. Vous pouvez aussi utiliser Dropbox qui est gratuit et très pratique, mais son mode d'adressage par identifiant n'est pas standard. Ça fonctionne aussi avec Google Drive, mais la version gratuite est trop limitée. On va donc commencer par s'inscrire à GitHub, puis on va créer un répertoire qui sera partagé sur Internet. GitHub, eh bien, c'est un service du cloud qui aide les développeurs à stocker et à gérer leur code, et il permet de suivre et de contrôler les modifications qui sont faites par un grand nombre d'utilisateurs en même temps. C'est un outil qui est très pratique pour la coopération et qui est très utilisé par les développeurs professionnels. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la capacité de GitHub à gérer un des répertoires ou repositories comme si c'était un site web, et on y accédera à l'adresse https://username.github.io où username est le nom d'utilisateur. Dans notre cas, ça sera « on va essayer ». Vous allez donc à l'adresse github.com et vous cliquez sur « Sign up for GitHub ». Vous allez ensuite renseigner votre email, un mot de passe, vous allez choisir un nom d'utilisateur, username, par exemple, on va essayer, et ensuite vous pouvez dire que vous ne voulez pas les nouvelles, vous aurez un contrôle, et puis vous allez cliquer sur Create Account. Vous recevrez ensuite un code par email que vous pouvez rentrer ici comme vérification. Ensuite, sélectionnez l'option Just Me, qui se trouve ici, et vous ne demandez aucune option spécifique. Ensuite, il vous indique les possibilités et vous allez opter sur Continue for Free pour l'option gratuite. La création du compte est terminée. Nous allons maintenant créer un repository. Je clique sur Create Repository et je vais renseigner ses caractéristiques. Dans GitHub, le repository qui est utilisable comme un site web doit commencer par le nom de l'utilisateur. Ici, on va essayer, suivi de .github.io. Le username est rappelé à gauche. Ensuite, vous pouvez mettre un commentaire pour indiquer à quoi correspond ce repository. Par exemple, Test Website Repository. Dans la version gratuite de GitHub, les repositories sont publics. Ensuite, cochez la case Add README File, puis cliquez sur Create Repository. Et ça y est, vous avez créé le repository qui est utilisable comme un site web et consultable par un navigateur à l'adresse https://username.github.io. Le username, c'est celui que vous avez choisi plus haut. Pour l'instant, il n'y a pas de fichier dans ce repository sauf le README. Et par défaut, un navigateur va chercher le fichier index.html. Je vais donc créer ce fichier. Je clique sur « Add file » puis « Create file ». Je renseigne le nom du fichier, index.html, et j'ajoute une ligne de texte « Hello, welcome to GitHub website ». Et pour que ce texte apparaisse en gras, je vais ajouter une balise fin H1 à la fin et une balise H1 au début. Ensuite, je dois enregistrer ce fichier, et dans GitHub, on le fait avec le bouton « Commit » qui est en bas de la page. N'oubliez surtout pas de le faire. Après quelques secondes, parfois un peu plus, le fichier index.html sera accessible en ligne. Et si je copie l'adresse du repository qui est ici et que je la mets dans un navigateur, eh bien, il m'affiche son contenu. Comme index.html est le nom de fichier par défaut, je n'ai pas eu besoin d'ajouter après username.github.io. Mais de manière générale, il faut le faire, par exemple ici pour androidfr.png.
Donc, vous voyez qu'on a pu écrire et partager une page web très simple et y accéder depuis n'importe où sur le web. Il y a un petit inconvénient avec GitHub, c'est le délai entre le moment où les données sont dans GitHub après validation avec commit et le moment où elles sont effectivement disponibles sur Internet. Il faut souvent 2 minutes pour que le fichier soit accessible en ligne depuis un navigateur. Dans l'intervalle, si vous avez créé un nouveau fichier, vous aurez l'erreur 404, mais si c'est une mise à jour, c'est l'ancienne version des données qui peut être affichée temporairement. Vous savez maintenant créer votre site web et partager une page HTML. On va maintenant définir les données, le catalogue de restaurants géolocalisés et la description de chaque restaurant avec la liste de plats. Cette étape de définition des données est toujours très importante. Ensuite, pour partager ces données, on va les télécharger sur le site ou le serveur web. Ces données peuvent être des images, comme celles que l'on vient de voir, mais aussi des données structurées, une liste de plats avec leur prix et leurs ingrédients, ou encore des données géolocalisées affichables sur une carte comme la liste des restaurants. J'ai donc préparé un jeu de données que vous pouvez récupérer ici et qui contient un catalogue de restaurants au format GeoJSON, un répertoire pour chaque restaurant avec la description au format JSON de ce restaurant et une image pour chaque plat. Avant de partager ces données sur un serveur, on va examiner leur format et leur structure. Avec GeoJSON, on va décrire un catalogue d'objets géolocalisés et avec JSON, un restaurant avec ses plats. Le minimum à savoir sur JSON, c'est que c'est un format textuel facile à écrire qui permet de définir des objets avec leurs propriétés. Dans notre cas, chaque restaurant est défini comme un objet avec une liste de propriétés définies chacune par une clé et une valeur, la clé title pour le nom du restaurant, la description pour sa catégorie, puis les clés adresse, téléphone, image et item. Vous voyez que les chaînes de caractères sont encadrées par des doubles cotes, que les clés et les valeurs sont séparées par 2 points et que les propriétés sont séparées entre elles par des virgules. Mais attention, il ne faut pas mettre de virgule après le dernier élément d'une liste. Item correspond à la liste des plats. C'est une liste, donc elle est encadrée par des crochets. Chaque item ou chaque plat est lui-même un objet, donc il est encadré par des accolades. Et ces plats dans la liste sont séparés par des virgules. Les propriétés de chaque item ou chaque plat sont name pour le nom, price pour le prix avec une valeur numérique sans double cote, ingrédient qui est une liste et image qui désigne l'URL de l'image de chaque plat. Voilà. Pour créer, modifier ou vérifier un fichier JSON, je vous recommande l'outil JSON Editor Online à l'adresse indiquée ici. Cet outil permet d'afficher les données JSON avec la coloration syntaxique que l'on voit à gauche, avec une couleur différente pour les textes, les nombres, etc. Il permet aussi d'interpréter les données pour les afficher sous forme d'arbre que l'on voit à droite. On peut alors modifier les données avec des outils qui s'occupent tout seuls des règles de format. JSON Editor Online permet enfin de vérifier la syntaxe de jeu de données, ce que vous devez toujours faire avant de diffuser des données. Dans cet exemple, il y a une erreur ligne 18 avec un diagnostic en bas qui propose de l'ajout d'une virgule manquante, ce que l'on doit faire en fin de ligne 17. On a vu comment décrire chaque restaurant avec le format JSON. On va maintenant passer à la description du catalogue de restaurants, qui est un catalogue d'objets géolocalisés. Et pour ça, on a le format GeoJSON, qui est un cas particulier de JSON avec des règles en plus. Chaque objet GeoJSON comprend des propriétés géométriques, ici un point avec ses coordonnées géographiques, et des propriétés générales ou sémantiques. Pour que le fichier GeoJSON soit facile à traiter, on va choisir des propriétés générales qui sont déjà prévues par App Inventor. Title pour le nom du restaurant, description dans laquelle on va mettre l'adresse du fichier JSON qui décrit ce restaurant, et en option, on peut rajouter fil pour la couleur au format hexadécimal, infobox true et image pour le symbole. Vous trouverez la définition de ces propriétés dans la documentation du composant map. Pour afficher et modifier des fichiers GeoJSON, il y a des outils en ligne, dont geojson.io à cette adresse. À l'ouverture, il affiche une carte et je vais ouvrir un fichier GeoJSON existant. Il affiche les objets que je peux sélectionner pour voir leurs propriétés. Ici, title, description, fil. Le texte du fichier GeoJSON est affiché à droite avec les propriétés générales et les propriétés géométriques de chaque objet.
L'onglet Table propose une vue plus synthétique avec un objet par ligne, où on retrouve les propriétés Title, Description, Fil et Image. On peut maintenant créer un nouvel objet en cliquant sur cette icône, puis à l'endroit sur la carte où l'objet doit être placé. Une nouvelle ligne apparaît à droite et je vais renseigner son titre, Pizza Pasteur, sa description, où je mets l'adresse absolue ou relative du fichier JSON de ce restaurant, et la couleur de l'icône au format hexadécimal, par exemple 10 80 80 00, que vous devez vérifier et que vous pouvez modifier en cliquant sur l'objet, sur Fil, sur la nouvelle couleur dans la palette et sur OK pour confirmer la nouvelle couleur. Enregistrez ensuite l'objet modifié avec Save. Vous verrez alors que trois propriétés nouvelles sont enregistrées, marqueur color, marqueur size et marqueur symbole. En standard, ces propriétés ne seront pas traitées par App Inventor, mais leur présence ne gêne pas. On va maintenant revenir à l'affichage du fichier GeoJSON et enregistrer ce fichier. Pour ça, vous pouvez sélectionner le texte à droite avec CTRL-A, le copier avec CTRL-C et le coller dans votre fichier GeoJSON avec CTRL-V. Vous pouvez aussi passer la souris au-dessus de Save sans cliquer, puis sélectionner le format GeoJSON. Si vous cliquez sur Save, il vous demandera de vous inscrire. Le fichier map.geojson sera enregistré dans le répertoire de téléchargement où vous pourrez le récupérer pour le partager. Vous voyez que ce fichier n'a pas une belle mise en forme, mais ça n'a pas d'importance. Je vais vérifier sa conformité à JSON et améliorer sa mise en forme en le copiant dans JSON Editor Online. C'est bon, aucune erreur n'est signalée et je peux cliquer sur le bouton de mise en forme pour que ça soit plus facile à lire. Voilà pour l'introduction à GeoJSON. Les adresses indiquées ici vous permettront d'approfondir. On a vu maintenant comment préparer les données, celles de chaque restaurant au format JSON et celles du catalogue au format GeoJSON, et on peut maintenant télécharger ces données sur notre serveur web GitHub. Je me suis connecté à GitHub et me suis placé dans le repository username.github.io. Username ici c'est on va essayer. Je clique ensuite sur Add File, puis sur Upload. Et depuis l'explorateur de mon PC, je glisse une image de test, puis le répertoire de données à partager. Ça prend un peu de temps, il y a environ 50 fichiers. Ensuite, je ne dois pas oublier, avec GitHub, de valider cette importation avec le bouton Commit. Il faut souvent plusieurs minutes pour que les données soient prises en compte. Et si je vais sur un navigateur à l'adresse de l'image, androidfr.png que je viens de télécharger, il commence par me dire qu'elle n'est pas là avec Error 404. Si j'actualise la fenêtre un petit peu plus tard, eh bien il va trouver l'image et l'afficher. Il faut parfois être patient. Vous pouvez vérifier les autres données du repository, naturellement le fichier index à l'adresse on va essayer github.io, et ensuite dans le répertoire des restaurants le fichier map.geojson qui est le catalogue, ou alors dans le restaurant Songsan, l'image de ce restaurant. Si maintenant vous sélectionnez le fichier map.geojson dans GitHub, vous allez voir qu'il interprète les fichiers GeoJSON et les affiche directement sur une carte. Et quand on clique sur un objet, GitHub affiche les propriétés générales de cet objet. Ça n'empêche pas d'afficher les données sous leur forme brute et de les modifier. C'est cool! Avant de passer au développement de l'application avec App Inventor, je voudrais vous dire un mot sur la manière dont les propriétés GeoJSON sont utilisées par App Inventor et par notre application. La liste des propriétés connues par le composant de lecture GeoJSON d'App Inventor est indiquée ici. Title et description sont affichés quand on clique sur un restaurant ou sur un objet de la carte, à condition qu'Infobox soit vrai. Et dans notre application, on va utiliser la propriété description pour enregistrer l'adresse du fichier JSON qui décrit chaque restaurant. Par exemple, l'adresse GitHub, que l'on a vu plus tôt, ou encore une adresse Dropbox ou Google Drive. Cette adresse doit donc commencer par HTTP ou HTTPS, et on verra plus tard comment utiliser une adresse relative. Fil et image sont des propriétés optionnelles. Fil contient la couleur de l'icône au format hexadécimal. Ce format doit être bien respecté, sinon l'application va planter sans prévenir. Image contient l'adresse ou le nom du fichier qui va remplacer l'icône. Ce doit être un fichier PNG ou JPEG de 32 par 32 pixels environ.
N'utilisez pas de fichiers au format SVG qui peuvent planter sans prévenir. Et pour l'image, si vous utilisez une adresse complète qui commence par HTTP ou HTTPS, eh bien il ira chercher cette image sur le web. Et si vous utilisez un nom de fichier simple, comme ici, vous devrez avoir chargé ce fichier dans les médias de l'application. Et s'il ne trouve pas ce fichier, eh bien il affichera l'icône. Pour commencer, dans la première version de votre application, ce n'est vraiment pas la peine d'utiliser les propriétés optionnelles fil et image. Vérifiez d'abord que votre application fonctionne, ensuite vous pourrez ajouter la couleur fil puis l'image. Ça vous évitera des ennuis. Après avoir défini et partagé les données, on va enfin passer à la réalisation de l'application elle-même. On va le faire par étapes, en commençant par l'affichage des restaurants sur une carte, avec un programme de deux lignes, jusqu'à des versions assez complètes qui gèrent le profil utilisateur et permettent de passer commande par SMS. Des jeux de données vous sont fournis avec des restaurants sur Paris, Cambridge, San Francisco, des fleuristes, etc. Donc, vous pouvez travailler sur cette application même si vous n'avez pas encore vos propres données. Vous pourrez les préparer plus tard. Je présume que vous connaissez déjà App Inventor, c'est un environnement de développement du MIT pour mobile Android. La seule chose à installer sur votre mobile, c'est l'AI de Compagnon qui est sur le Play Store. Ça prend 3 minutes. Je vais à l'adresse appinventor.mit.edu et je clique sur Create Apps. Et comme je suis déjà inscrit, il affiche les programmes déjà faits. Je vais créer un nouveau projet, GitShare 1, qui va afficher la liste des restaurants sur une carte. Je commence par préciser quelques propriétés de l'écran principal, Screen 1. J'ajoute une icône. Je choisis une toute petite image qui sera affichée sur mon smartphone, par exemple androidfr.png. Et je précise aussi que l'orientation de l'écran doit rester en mode portrait. Ensuite, depuis la colonne de gauche, dans l'onglet Map, je vais ajouter un composant Map en le glissant dans la partie centrale. Et je précise les propriétés de ce composant dans la colonne de droite. D'abord, la latitude et la longitude du centre, 48.85,2.34 pour la latitude et la longitude. Les options de panoramique, de rotation et de zoom conviennent. Ensuite, je précise que la carte doit remplir tout l'écran, donc en hauteur fil parente et pareil en largeur fil parente. Ensuite, les autres options me conviennent, sauf le zoom que je mets à 12 pour couvrir Paris. J'ai fini pour ce qui concerne le choix des ressources et le design. Je passe maintenant à la programmation en cliquant sur le bouton bloc en haut à droite. Pour le programme, je vais sélectionner des instructions à gauche pour les placer au centre. Et je vais commencer par définir dans une variable l'adresse ou l'URL du catalogue de restaurant au format GeoJSON. URL GeoJSON catalogue. Et j'ajoute un bloc de texte pour renseigner sa valeur. Mais avant de le faire, je vais ouvrir un navigateur Firefox pour vérifier l'adresse et le contenu du catalogue GeoJSON. HTTPS, on va essayer .github.io dans le répertoire GitShare Data 1 et le catalogue map.geojson. J'affiche donc mon catalogue GeoJSON et je vérifie qu'il contient 6 restaurants géolocalisés. Ici, le navigateur Firefox a détecté que le fichier est un fichier au format JSON, donc il l'a mis en forme avec la coloration syntaxique. Et vous pouvez aussi continuer cette vérification en passant aux données brutes, raw data, et en copiant le contenu dans geojson.io pour l'afficher sous forme de carte, et dans JSON Editor Online pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur de format. C'est très important. Une fois que vous avez fini vos vérifications pour ce catalogue, eh bien vous recopiez l'adresse et vous revenez à App Inventor pour insérer cette adresse dans le bloc de texte. Ensuite, je vais afficher ce catalogue au démarrage, c'est-à-dire quand Screen 1 initialize. Pour ça, App Inventor propose une procédure dans le composant map. C'est la procédure loadFromURL. Je dépose le bloc correspondant dans l'événement et en entrée, je lui donne l'URL définie par la variable. L'application est prête, je la transfère sur mon smartphone avec Build et après quelques secondes, le flashcode apparaît. Je lance l'AI de Compagnon sur mon smartphone à droite et je scanne le flashcode, puis j'installe et j'ouvre l'application. Si vous n'êtes pas familier de ce transfert, voir le lien affiché ici.
Les restaurants du catalogue GeoJSON sont affichés sur la carte, et si je clique sur un restaurant, ses propriétés title et description apparaissent dans une boîte d'infos, sauf si vous n'avez pas défini comme vrai la propriété infobox dans les données GeoJSON. Cette obligation de renseigner la propriété infobox de chaque restaurant du catalogue GeoJSON, eh bien on peut l'éviter par programme. Pour chaque restaurant du catalogue GeoJSON, la fonction map load from URL crée un composant marqueur sur la carte. On va pouvoir modifier la propriété infobox de chacun de ces marqueurs quand on clique dessus. Le bloc de programme correspondant au clic n'est pas dans la liste habituelle dans la colonne de gauche, mais dans l'onglet Any Component et plus précisément dans Any Marker. On choisit l'événement When Any Marker Click. Il nous renvoie en paramètre le marqueur sur lequel on vient de cliquer. On peut ensuite modifier la propriété Enable Infobox de ce marqueur pour la mettre à vrai. Au niveau du catalogue GeoJSON, on peut donc simplifier et supprimer la propriété Infobox. Donc, vous voyez qu'un programme simple permet d'afficher un catalogue GeoJSON sur une carte. Le plus difficile, c'est de préparer ce catalogue GeoJSON et de le partager. Je vous propose de voir des exemples, du plus simple au plus compliqué, que vous pourrez récupérer aux adresses qui sont affichées. Map1.GeoJSON, qui se limite aux propriétés title et description, avec ce résultat. Map1A.GeoJSON, dans lequel on a ajouté la propriété fill pour la couleur au format hexadécimal, avec ce résultat. Map2.GeoJSON, dans lequel on a ajouté la propriété image avec un nom de fichier JPEG ou PNG importé dans les médias de l'application. Ici, hamburger, pizza et sushi. Dans le cas où le fichier n'est pas trouvé, c'est l'icône qui est affichée. Enfin, Map3.GeoJSON, dans lequel la valeur des images est une adresse web complète qui commence par HTTP ou HTTPS. Et dans ce cas, les icônes affichées sont lues sur le web. Ce que je vous suggère, si vous avez un compte GitHub, c'est de copier ces jeux de données, de les modifier, de les vérifier, puis de les importer dans votre serveur GitHub. Commencez par le plus simple, map1.geojson. Vous pouvez faire les modifications avec geojson.io, et après chaque modification, vérifiez toujours vos fichiers GeoJSON avec JSON Editor Online. C'est très important. Vous avez ici des exemples de catalogues avec des erreurs. Une virgule en trop à la fin d'une liste, une erreur sur le code fill avec un blanc en trop ou un fichier image au format SVG qui n'est pas supporté. Dans la version actuelle d'App Inventor, la moindre erreur de format ou de contenu dans le catalogue GeoJSON plante l'application, sans message explicatif. Pour prévenir les erreurs avec load from URL, il faut absolument vérifier vos données. D'autres erreurs sont rattrapables. Par exemple, si le catalogue GeoJSON n'est pas trouvé ou que le smartphone n'a pas accès à Internet, le programme va alors renvoyer Error 1101 Unable to get a response. Ici, l'utilisateur est prévenu et vous pouvez même modifier le message avec l'événement qui gère ce type d'erreur, l'événement When Screen 1 Error Occurred. Par exemple, avec ces blocs qui utilisent un composant Notifier pour afficher le type d'erreur et son origine. Voilà. On a terminé la première version de l'application que vous pouvez charger directement depuis App Inventor avec la fonction Import from Repository. Ajoutez d'abord le repository dont l'adresse est indiquée ici. Puis ouvrez ce repository et choisissez la version GitShare 1. Nous réutiliserons cette version par la suite. Elle présente une petite différence avec celle que nous venons de réaliser. Le programme n'est pas dans l'écran Screen 1, il a été déplacé dans un deuxième écran, Map Screen. Le seul changement du programme, c'est sur le nom de l'écran dans l'événement quand Map Screen initialize. Dans l'écran Screen 1, qui est ouvert au démarrage, on se limite à ouvrir l'écran Map Screen. Ça ne change rien pour l'utilisateur, mais l'intérêt pour la suite, c'est de garder Screen 1 pour gérer la connexion et l'identification de l'utilisateur. Voilà, vous avez créé un site web, partagé des données et écrit une application qui permet de les afficher depuis n'importe quel smartphone Android dans le monde. Bravo! Donc, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez, mais je vous propose d'aller un petit peu plus loin en affichant les données de chaque restaurant. Dans les données partagées,
On a créé un répertoire par restaurant avec un fichier restaurant.json qui le décrit avec la liste des plats. On a mis également les images de chaque plat dans le même répertoire. Ici, chaque plat est décrit comme un objet avec un nom, un prix, des ingrédients et une image. C'est ce que nous allons faire, mais nous allons commencer par quelque chose de plus simple dans la prochaine version, en décrivant chaque plat par une chaîne de caractères. Pour le programme, on va repartir de la version précédente, GitJar 1, qui est dans le repository, et ajouter l'écran shop pour la lecture et l'affichage des données du restaurant, avec un label pour le titre, un pour l'adresse, une image pour celle du restaurant, et un viewer de liste pour les plats. Au niveau du programme, dans les blocs de MapScreen, quand un marqueur est cliqué, on va récupérer l'adresse du fichier à lire dans la propriété description du marqueur et ouvrir l'écran shop avec cette adresse. Enfin, dans l'écran shop, on va lire le fichier sur Internet, décoder l'objet JSON pour le convertir en dictionnaire AppInventor dans la variable shop, puis afficher son contenu. Donc, en repartant de GitJar 1, je commence par créer l'écran shop. Et dans le design, j'ajoute un label pour le titre du restaurant, un label pour son adresse, une image pour le restaurant, un list viewer pour la liste des plats. On a aussi besoin d'un composant notifier pour les messages. Et dans la catégorie connectivity, un composant web pour la lecture du fichier JSON. Alors, il faut renommer les labels pour qu'ils correspondent à ce que l'on va mettre dedans. Label title pour le premier, label adresse pour le deuxième, ajuster leurs propriétés, recentrer l'écran. Vous pouvez mettre des valeurs initiales dans la propriété elements from string du list viewer, etc. Je vous laisse le faire, à chacun son style, et voilà ce que ça donne pour moi. On peut maintenant passer à la programmation en commençant par l'ouverture de l'écran shop depuis MapScreen. Dans l'événement marqueur clic, je vais définir la variable locale shopURL pour l'adresse du fichier JSON du restaurant sélectionné. Cette adresse est dans la propriété description du marqueur cliqué et c'est la fonction loadFromURL qui a converti les objets JSON en marqueur de la carte. Je vais récupérer la propriété description dans les blocs AnyComponent, AnyMarker avec le bloc de lecture de la description que j'assigne à shopURL. Le marqueur dont on veut lire la propriété, c'est le composant sur lequel on a cliqué, celui qui est renvoyé par marqueur clic. Puis, pour ouvrir l'écran shop, dans les blocs de contrôle, je prends Open another screen with start value pour l'écran shop, avec comme valeur de départ l'adresse ou l'URL du fichier à lire. Voilà pour l'écran map screen. On va maintenant passer à l'écran shop, dans lequel on va définir trois variables. La variable shop qui va contenir les données du restaurant sous forme de dictionnaire, donc que j'initialise comme un dictionnaire vide. La variable items pour la liste des plats, que j'initialise comme une liste vide. Et la variable shopURL pour l'adresse du fichier JSON à lire, que j'initialise comme une chaîne vide. Au démarrage, quand shopInitialize, on va d'abord définir la variable shopURL à partir de startValue. C'est l'adresse ou l'URL du fichier à lire qui a été envoyé par MapScreen. Puis, on va lancer la lecture du fichier JSON avec trois blocs. SetWebURL pour définir l'adresse du fichier à lire. SetWebSaveResponse égale false pour dire au composant web de renvoyer le texte plutôt que d'enregistrer le fichier. Et WebGet pour lancer la lecture. Quand le résultat de la requête va revenir, c'est l'événement web.gotText qui sera déclenché. Et dès cette étape, vous pouvez vérifier la lecture en affichant le code de la réponse ou son contenu avec un notifier comme celui que j'ai préparé, showMessageDialog. On va donc ajouter un test pour vérifier que la lecture s'est bien passée. Sinon, on affiche le message d'erreur. La condition à vérifier, c'est une égalité. Le code réponse doit être égal à 200. Voilà. Si la lecture s'est bien passée, on va maintenant exploiter le texte JSON. On va décoder le contenu de la réponse, un texte au format JSON, avec un des blocs du composant web, le bloc JSON Text Decode with Dictionaries. On lui demande de décoder le contenu JSON de la réponse et on met le résultat dans la variable shop. Alors,
On a maintenant converti le texte JSON en dictionnaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas ces dictionnaires, je vais dire un mot de leur utilisation et de leur correspondance avec JSON. Vous vous rappelez peut-être que les données textuelles au format JSON comprennent des objets qui sont encadrés par des accolades, ici et ici, avec des propriétés et des valeurs. Il y a aussi des listes qui sont encadrées par des crochets, par exemple la liste des items ou des plats. La fonction JSON Text Decode with Dictionaries va traduire les objets JSON en dictionnaire App Inventor. Les propriétés JSON vont devenir des clés ou keys dans App Inventor. Et les listes de JSON vont devenir des listes dans App Inventor. L'intérêt de cette conversion, c'est que App Inventor propose des blocs qui vont permettre de manipuler l'information. Par exemple, on va pouvoir lire l'adresse d'un restaurant avec le bloc getValueForKeyAddress du dictionnaire shop qui contient l'information d'un restaurant. On va aussi pouvoir modifier une valeur, par exemple la quantité commandée pour un plat, setValueForKeyQuantity in dictionaryItem où item correspond au plat. Du côté des listes, comme la liste des items ou des plats, on a naturellement des blocs qui permettent de lire ou de modifier la valeur à un index ou à un numéro donné. Mais le plus souvent, on utilise des boucles qui permettent de parcourir l'ensemble des items de la liste, par exemple pour calculer le montant d'une commande. Dernière remarque, il faut absolument éviter d'utiliser les blocs de dictionnaire ou les blocs de liste pour des données qui n'en sont pas. Pour ça, vous pouvez utiliser très fréquemment des blocs de type isList qui permet de savoir si un objet est une liste ou le bloc isDictionary pour savoir si un objet est un dictionnaire. Voilà, si vous avez compris la notion d'objet et de liste dans JSON, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec les dictionnaires et les listes dans App Inventor, au moins en lecture. Et dites-vous que vous avez appris des notions extrêmement importantes. On peut maintenant revenir au programme pour exploiter le résultat du décodage qui est enregistré dans la variable shop. Cette variable doit donc être un dictionnaire. C'est la première chose à vérifier. J'ai ajouté un test et avec le bloc isDictionary, je teste si shop est un dictionnaire. Sinon, j'affiche un message d'erreur que j'ai déjà préparé. Et si oui, on va pouvoir lire et afficher les données du restaurant en commençant par la propriété ou la clé title. Je vais récupérer la valeur de cette clé avec un bloc getValueForKeyInDictionary dans lequel je précise le dictionnaire, c'est la variable shop, puis la clé title comme dans le fichier JSON. Dans le cas où il n'aurait pas trouvé cette clé, le bloc renvoie un point d'interrogation. Ensuite, j'affiche ces blocs en ligne pour gagner de la place et je duplique cette ligne pour afficher l'adresse. Je change le nom du label et la clé adresse, propriété qui vient du fichier JSON. Vous pouvez déjà tester cette version du programme qui affiche le nom et l'adresse du restaurant. Pour l'image, je récupère le bloc de mise à jour de la propriété picture dans lequel on va mettre la valeur lue dans la clé image du dictionnaire shop. Je duplique le bloc getValueForKey dans lequel je mets la clé image et si cette clé n'est pas trouvée, il affichera androidfr.png. Et pour gagner de la place, je réduis avec collapse les deux blocs de messages. Enfin, pour la liste des items, qui est une liste, je vais procéder par étapes. Je vais commencer par enregistrer cette liste dans la variable items. Je duplique le bloc getValueForKey. La valeur de la clé, c'est items. Et dans le cas où la clé items n'est pas trouvée, je demande le renvoi d'une liste vide. Ensuite, avant d'utiliser la variable items comme liste de plats affichée, je dois vérifier que c'est bien une liste, donc avec un bloc ifElse, puis le bloc isList, je teste si la variable items est une liste. Dans la négative, j'affiche un message d'erreur déjà préparé, que je réduis pour gagner de la place. Et si c'est une liste, je récupère dans les blocs du listViewer le bloc setListViewElements qui définit la liste des éléments affichés. Et je lui affecte la liste des items. Voilà, on a terminé. La carte est affichée avec la liste des restaurants
et quand on clique sur un restaurant, le nom, l'adresse, l'image et les plats sont affichés. Vous pouvez récupérer cette version directement depuis App Inventor dans le repository indiqué ici. C'est la version GitShare de A. Vous aurez noté que dans cette version, j'ai déjà ajouté beaucoup de code pour anticiper les erreurs. Sinon, le programme serait bien plus court. Mais la prise en compte des erreurs possibles est essentielle et il nous en reste à traiter. Par exemple, chacun des éléments à afficher doit être une chaîne de caractères. Donc, cette version ne marchera plus si on définit les plats comme des objets. Mais avec cette version, vous avez déjà vu les principales difficultés d'une application Click and Collect et vous savez comment définir et partager des données complexes. Alors, continuez. Mais c'est déjà super d'avoir réalisé ou compris cette version avec laquelle on peut déjà commencer à s'amuser. Dans cette nouvelle version, on va faire trois modifications. Premièrement, anticiper les erreurs sur les données de restaurant, c'est du codage défensif, et à cette occasion, on va enrichir le modèle des données. Deuxièmement, on va simplifier les échanges et la mise à jour des données en gérant les adresses relatives. Et troisièmement, on va permettre l'utilisation facile de Dropbox ou Google Drive en complément de GitHub. C'est un travail qui n'est peut-être pas très valorisant, mais qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'application. Vous pouvez sauter ce chapitre si vous êtes pressé, mais essayez quand même de le parcourir et ensuite vous devrez repartir de la version GitShare 2B qui est dans le repository. Commençons par le codage défensif. Dans la version 1, j'ai insisté sur le contrôle du catalogue GeoJSON qui alimente directement la fonction loadFromURL. Un bloc quand loadError est prévu pour les erreurs, mais dans la version actuelle d'App Inventor, les erreurs de contenu ou de format GeoJSON font planter l'application, donc c'est à vous de vérifier le bon fonctionnement du catalogue GeoJSON après chaque modification. Vous pouvez utiliser GeoJSON.io et JSON Editor Online. Dans la version 2A, pour les données JSON de restaurant, on fait déjà du codage défensif. On teste le code réponse HTTP, les données décodées, qui doivent être un dictionnaire, et les items qui doivent être une liste. Ces données sont produites et mises à jour par les restaurateurs, le risque d'erreur est plus élevé, les contrôles sont plus importants. Un échantillon de ces erreurs a été regroupé dans le catalogue GeoJSON, dont l'adresse est indiquée ici. On a d'abord le cas d'un fichier introuvable à l'adresse indiquée ou d'une rupture d'accès à Internet. Dans ce cas, le code réponse est différent de 200. On l'a déjà testé pour afficher ce message. Ensuite, une erreur de format ou de conformité à JSON, par exemple une virgule manquante. Dans ce cas, App Inventor affiche brièvement cette erreur, mais on peut aussi la traiter par programme avec l'événement Error Occurred, qui permet d'indiquer le composant et la fonction à l'origine de l'erreur et son numéro. Ensuite, il est possible que le décodage ne renvoie pas un dictionnaire, ce que l'on a déjà testé pour afficher ce message. Ensuite, le cas où les items ne sont pas une liste, comme nous avons fait le test, c'est ce message qui sera affiché. Enfin, un dernier cas que l'on n'a pas traité dans la version précédente, c'est celui où un item de la liste n'est pas une chaîne de caractères, mais un dictionnaire, comme illustré dans l'exemple au milieu. Cet exemple nous servira dans les prochaines versions. Pour l'instant, si un item n'est pas une chaîne de caractères, on a un crash brutal de l'application. Pour traiter le problème, on va remplacer le bloc setListViewerElements par une procédure de même nom avec la liste des items en paramètres. Cette procédure va vérifier chaque item dans une boucle et, si nécessaire, le convertir en chaîne de caractères, puis l'ajouter à une nouvelle liste. Cette nouvelle liste pourra alimenter le ListViewer à la fin. J'appelle cette procédure en lieu et place du bloc précédent. Vous savez maintenant comment placer les blocs de programme, donc pour expliquer cette procédure, je vous montrerai directement chaque étape. Je commence par initialiser la variable listViewElements comme une liste vide, et je vais remplir cette liste dans une boucle sur la liste des items qui sont en paramètres d'entrée, myItems. Et en sortie de boucle, je vais dire que cette liste est celle à afficher par le listViewer avec la propriété Elements. Pour chaque item de la liste, on va commencer par tester si c'est une chaîne de caractères avec le bloc isString. Si oui, j'ajoute cet item à la liste listViewElements et sinon, j'affiche un message pour mentionner l'anomalie avec l'item dans le corps du message
illégal item dans le titre et OK pour le bouton. C'est un cas d'erreur, donc je vais sortir de la boucle avec une commande break, sinon la liste des items et la liste des fichiers n'auraient plus la même longueur. Et pour gagner de la place, j'affiche ce message en ligne. Ensuite, si l'item n'est pas une chaîne de caractères, on va tester deux autres cas que l'on ajoute au bloc de test. L'item peut être une liste, ce que l'on teste avec le bloc isList, ou c'est peut-être un dictionnaire, ce que l'on teste avec le bloc isDictionary. Si l'item est une liste, on va le convertir en chaîne de caractères avec la commande listToCSVRO qui convertit la liste en données textuelles séparées par des virgules. Et si c'est un dictionnaire, on va lire et afficher les clés qui correspondent au modèle de données que l'on a vu au début de cette vidéo avec JSON. En fait, dans les versions suivantes, je vais décrire les items ou les plats comme des objets, avec un nom, un prix, une liste d'ingrédients et une image. Ça nous permettra plus tard de passer des commandes. Je vais donc assembler ces informations avec un bloc de jointure. Je récupère le nom dans la clé name du dictionnaire item. Si la clé name n'est pas trouvée, j'affiche un point d'interrogation. Et j'affiche ce bloc en ligne pour gagner de la place. Je le duplique pour afficher le prix en changeant la clé price. Et si cette clé n'est pas trouvée, j'affiche un prix élevé, 999. Enfin, pour afficher les ingrédients, je duplique à nouveau, je change la clé, ingrédients, et si cette clé n'est pas trouvée, je mets une liste vide. Ensuite, après le nom, j'ajoute 2 points, et après le prix, je mets euro avec un retour à la ligne qui est backslash n. Voilà, on a affiché les données d'un restaurant en prévoyant les différents formats possibles de chaque item, un texte, une liste ou un objet, en particulier pour la description du plat qui est rappelée ici et qui est celle que l'on va utiliser maintenant. Enfin, on peut afficher l'image du plat sélectionné dans la liste. Avec l'événement canListView after picking, je récupère les données du plat à l'index sélectionné dans la liste items. Si c'est un dictionnaire, je récupère la valeur de la clé image pour la placer dans la propriété picture du composant image avec androidfr.png par défaut. Je vais réduire ces blocs avec Collapse et revenir à l'ensemble du programme de l'écran Shop. Vous pouvez maintenant vérifier que l'application fonctionne avec différents jeux de données en modifiant l'URL du catalogue GeoJSON dans l'écran Map Screen. Vérifiez que les erreurs sont gérées avec ce jeu de données erroné. Vérifiez que ça fonctionne toujours avec le jeu de données précédent. Et vérifiez que ça marche avec ce nouveau jeu de données où les items sont définis comme des objets avec un nom, un prix, etc. Ces jeux de données sont au début de la liste dans la variable GoodGeoJSON. Passons maintenant à l'utilisation des adresses relatives en complément des adresses absolues. L'organisation choisie pour mes données est rappelée ici. Les données de chaque restaurant sont dans un répertoire au même endroit que le catalogue et les images de chaque restaurant sont dans le répertoire de ce restaurant. Dans le fichier GeoJSON, l'adresse des fichiers de restaurant commence par HTTP et va jusqu'au répertoire et au fichier JSON. C'est une adresse absolue. Le problème, c'est que si je déplace tout le jeu de données, il faudra modifier toutes les adresses, celles des restaurants dans GeoJSON et celles de l'image du restaurant et de tous les plats dans le fichier JSON de chaque restaurant. Avec 10 restaurants et 10 plats, ça fait plus de 100 adresses à modifier à chaque déplacement de données et ça ne va pas. On va résoudre le problème en remplaçant les adresses absolues par des adresses relatives. L'adresse relative du fichier de chaque restaurant par rapport au catalogue GeoJSON et pour chaque restaurant, les adresses relatives des images par rapport à ce restaurant. Comme une adresse relative ne change pas quand on déplace tout un jeu de données, on n'a plus besoin de modifier le catalogue GeoJSON ni les fichiers de chaque restaurant. Par contre, on va devoir reconstruire les adresses absolues dans le programme. Et on va le faire avec la fonction goodURL que l'on appelle avec une adresse relative, par exemple songsan/restaurant, et une adresse de référence, par exemple celle du catalogue, URL GeoJSON catalogue. On va le faire 3 fois, dans MapScreen pour l'adresse du fichier JSON de chaque restaurant, dans l'écran Shop pour l'image du restaurant, et toujours dans Shop pour l'image de chaque plat. Commençons par MapScreen. Je crée la fonction goodURL. Une procédure avec l'encoche qui renvoie une valeur. J'ajoute 2 paramètres en entrée avec la roulette et je leur donne un nom. URL pour l'adresse relative à modifier et refURL pour l'adresse de référence.
et je vais appeler la fonction goodURL, callGoodURL, pour avoir l'adresse absolue de shopURL. Donc shopURL va dans le paramètre URL et URL GeoJSON catalogue va en référence refURL, car pour nos données, les adresses relatives de chaque restaurant sont par rapport au répertoire du catalogue. On va maintenant coder la fonction goodURL. Je commence par récupérer un bloc de contrôle, doResult, qui me permet de préciser que c'est le paramètre URL qui sera renvoyé après modification. Puis je commence par vérifier que l'URL n'est pas déjà une URL absolue. Avec un bloc de texte, je recherche la position de HTTP dans l'URL. Si l'URL ne commence pas par HTTP, alors ce n'est pas une adresse absolue et je dois la calculer. Pour ça, je vais avoir besoin de deux variables locales que j'initialise, la variable path, vide au départ, qui est le chemin d'accès à déduire de refURL, et la variable path length, qui est la longueur de ce chemin. Dans refURL, je dois récupérer le chemin, c'est-à-dire l'adresse qui commence par HTTP et qui va jusqu'au dernier slash avant le nom du fichier. Dans la variable refURL, je vais rechercher le premier slash, mais en partant de la fin, avec reverse. Si le résultat est différent de 0, c'est qu'il l'a trouvé. Dans ce cas, je calcule la longueur pathLength. Cette longueur est égale à la longueur du chemin, length de refURL, moins le nombre de caractères depuis la fin jusqu'au dernier slash. J'affiche en ligne pour gagner de la place. Je peux maintenant extraire le chemin d'accès, path, comme le segment de refURL qui commence à 1 et dont la longueur est égale à pathLength. Voilà. Je n'ai plus qu'à mettre dans l'URL l'adresse absolue qui est la jointure du chemin path, d'un slash et de l'URL précédente. Notez bien que je n'ai pas modifié l'URL si c'était déjà une adresse absolue. Donc, ce qui marchait avant va continuer à marcher. Voilà, j'ai terminé pour MapScreen. Je peux réduire la fonction goodURL avec collapse. Elle n'a pas d'intérêt immédiat. Je vais maintenant passer à la correction des images de l'écran shop, où je vais avoir besoin de goodURL. Donc je mets cette fonction dans le sac à dos, puis je passe à l'écran shop. Dans cet écran, je commence par récupérer la fonction goodURL dans le sac à dos et je la place en bas. Je dois utiliser cette fonction à deux endroits. D'abord pour l'adresse absolue de l'image du restaurant, qui est ici. Donc j'insère un bloc d'appel à goodURL, appliqué à l'URL précédente, avec en référence l'adresse du fichier JSON shopURL, car cette image est dans le même répertoire. Le deuxième endroit où je dois récupérer une adresse absolue, c'est l'image de chaque plat dans l'événement canListView after picking. J'insère la fonction goodURL avec l'URL relative du plat et la même référence shopURL. Voilà, avec cette version, on peut remplacer l'adresse absolue des restaurants dans le catalogue GeoJSON par une adresse relative. Et dans les fichiers JSON de restaurants, remplacer les adresses absolues des images du restaurant et des plats par des adresses relatives. Donc ça simplifie et surtout ça permet de déplacer et d'échanger les jeux de données, donc c'est très utile. Vous pouvez vérifier que ça fonctionne avec ce catalogue de données qui contient des adresses relatives. Le dernier point qu'on va voir dans cette version 2B, c'est l'utilisation de Dropbox et de Google Drive en complément de GitHub. Vous avez ici un jeu de données importé et partagé sur Dropbox avec 7 restaurants et le catalogue map.json. Notez que j'ai remplacé le nom map.geojson par map.json car ce suffixe est géré par Dropbox pour l'affichage. Le fichier contient une liste de restaurants, par exemple Songsan dont l'adresse commence par http dropbox.com avec un identifiant, un nom de fichier et DL égale 0. Le nom de fichier est indicatif, vous pouvez le supprimer. C'est l'identifiant qui compte. Si je copie cette adresse dans la barre d'un navigateur, les données du restaurant sont affichées avec, dans la propriété image, l'adresse Dropbox de cette image. Pour utiliser le catalogue de données dans mon application, je récupère l'adresse du catalogue GeoJSON en cliquant sur « Copier le lien », puis je mets ce lien dans la variable URL GeoJSON catalogue. Mais cette adresse ne va pas marcher dans l'autre from URL car elle ne renvoie pas le contenu du fichier mais une page web au format HTML. Pour récupérer le fichier brut, je dois changer l'adresse et remplacer DL égale 0 par DL égale 1 à la fin de l'URL et dans ce cas, il me renvoie bien le fichier.
Pour le faire automatiquement, je vais ajouter une ligne de code à la fonction goudURL qui va remplacer DL égale 0 par DL égale 1. Et on va faire à peu près la même chose pour Google Drive avec ces deux lignes de code. Les adresses sont donc corrigées par goudURL que j'appelle déjà pour chaque restaurant et chaque image, mais je dois aussi le faire pour le catalogue. Donc j'ajoute un appel à goudURL avant loadFromURL. Et ici, refURL n'a pas d'importance car l'adresse commence par HTTP. Alors, n'oubliez pas de reporter la mise à jour de la fonction goudURL dans l'écran shop. Pour Google Drive, vous avez un jeu de données ici, avec des restaurants et un catalogue que vous pouvez ouvrir et modifier avec TextEditor. Pour utiliser ce jeu de données, il faut récupérer l'adresse du catalogue map.geojson avec un clic droit, obtenir le lien, puis copier le lien pour l'utiliser ensuite dans la variable URL GeoJSON catalogue. On a vu plus haut la correction de cette adresse dans goudURL pour récupérer le contenu du fichier au lieu d'une page HTML. Voilà, vous avez les liens vers différents jeux de données dans la liste GoodGeoJSON de MapScreen. GitShare Data 3 contient des adresses relatives. On a les mêmes données sous Dropbox et Google Drive. Des restaurants à San Francisco, des fleuristes à Paris, ou même des Pokémon où chaque item est une liste. Vous pouvez mélanger les adresses GitHub, Dropbox, Drive. Personnellement, je préfère GitHub qui dispose d'un affichage graphique intégré pour GeoJSON. Dropbox, de son côté, permet de partager les données de son ordinateur sans même aller sur Internet, et c'est bien pour les restaurateurs. Et je déconseille Google Drive car la version gratuite est trop limitée. En conclusion, cette version de B rend possible l'échange, la création et la mise à jour de données par le manager et les restaurateurs. Vous avez accès à cette version directement depuis App Inventor avec l'option Projects, Import Project from Repository, pour le repository qui est indiqué ici et la version GitShare 2B. On va maintenant s'intéresser aux données nécessaires aux transactions commerciales, en commençant par la définition et l'enregistrement du profil utilisateur. Dans la décomposition de l'application, on a réservé l'écran Screen 1 pour ça. Donc, dans cet écran, on va identifier l'utilisateur avec son nom, son adresse, son email, un numéro de téléphone et l'URL du catalogue qu'il a choisi. Pour ça, on va définir 5 zones de texte à renseigner à la main et on proposera aussi à l'utilisateur de choisir le catalogue. Ces informations seront enregistrées avant de lancer l'affichage de la carte et relues à chaque démarrage de Screen 1 et pour ça, on utilisera un composant qui s'appelle TinyDB. Enfin, par anticipation pour la version suivante, on définira un mode Debug. Ces modifications ont un impact sur MapScreen, dans lequel on devra lire l'URL du catalogue choisi dans Screen 1 et transmis en paramètres d'appel. On apportera en plus deux améliorations à MapScreen. Premièrement, l'enregistrement de la position de la carte et la relecture de cette position à chaque démarrage de MapScreen. Comme ça, l'utilisateur se retrouvera au même endroit avec les mêmes données entre plusieurs utilisations de l'application. Deuxièmement, le centrage de la carte sur la position de l'utilisateur s'il garde le doigt pressé sur la carte. Dans le design de l'écran Screen 1, on va mettre une image comme icône de l'application, un label pour le titre et 5 arrangements horizontaux avec une zone de texte pour renseigner le nom, une pour l'adresse, une pour l'email, une pour le numéro de téléphone et une pour l'adresse du catalogue GeoJSON. Puis un bouton Start pour lancer l'affichage de la carte, un spinner pour afficher le nom des jeux de données à choisir, et une checkbox pour le mode Debug. Et dans les ressources invisibles, un composant web qu'on utilisera plus tard, un notifier pour les messages, et un composant TinyDB pour enregistrer et relire le profil utilisateur. Pour le design de MapScreen, on ajoute un composant TinyDB pour enregistrer et relire la position de la carte, et un composant de géolocalisation, Location Sensor, pour avoir accès à la position de l'utilisateur. On va aussi modifier les propriétés du composant Map
pour lui dire d'afficher la position de l'utilisateur et d'utiliser le composant de géolocalisation. Voilà. J'ai fait ces modifications dans la version GitShare 3S que vous pouvez récupérer dans le repository. On va maintenant coder les nouvelles fonctions de Skrina en repartant de la version 2B. Avec le sac à dos, je commence par récupérer le bloc d'initialisation de l'URL du catalogue, avec sa valeur par défaut, de même que la fonction goodURL. Puis, pour l'ouverture de MapScreen, dans StartValue, je mets l'URL du catalogue corrigée par goodURL. Ensuite, comme je ne peux pas démarrer avant d'avoir défini et vérifié le profil utilisateur, je déplace l'ouverture de MapScreen dans l'événement clic sur bouton Start. L'adresse du catalogue que l'on va utiliser, c'est celle qui peut être modifiée par l'utilisateur dans la zone de texte Textbox Catalogue. Donc au démarrage, je vais mettre la valeur par défaut dans cette zone de texte et dans le bouton Start, je vais ouvrir MapScreen avec l'adresse définie dans cette zone de texte. L'utilisateur pourra la modifier, mais s'il ne le fait pas, l'adresse de départ sera valide. Avant de lancer MapScreen, il reste à vérifier que le profil utilisateur est valide. Donc, je vérifie que le nom n'est pas vide, if not is empty de textboxname.txt, de même que l'adresse, l'email, le numéro de téléphone. J'ai oublié de le faire pour l'adresse du catalogue, mais je le rajouterai plus tard. Et pour éviter les tricheurs, vous verrez plus loin comment vérifier que le numéro de téléphone est bien celui de l'utilisateur. Si une de ces conditions n'est pas satisfaite, j'affiche un message et si le profil utilisateur est bien renseigné, je définis la variable user, une variable locale, comme un dictionnaire avec 5 clés ou 5 propriétés. Name, dont la valeur est lue dans TextboxName, adresse, dont la valeur est lue dans TextboxAdresse, email, dans TextboxEmail, téléphone, dans TextboxTéléphone et catalogue, dans TextboxCatalogue. Et ensuite, dans TinyDB, qui est une petite base de données locale, avec le bloc TinyDBStoreValue, je vais enregistrer sous l'étiquette user le contenu de la variable user. C'est mon profil utilisateur. Et naturellement, je vais relire le contenu de cette étiquette avec le bloc TinyDBGetValue, mais je vais le faire avec la procédure readUserData que j'appelle au démarrage. Dans la procédure, j'initialise user, une variable locale, dans laquelle je mets le contenu qui est lu par le bloc TinyDBGetValue, sous l'étiquette user, la même étiquette, et si jamais cette étiquette n'est pas trouvée, je renvoie un dictionnaire vide. Vous voyez que TinyDB est très simple et très pratique. Avec TinyDBStoreValue, on enregistre une variable quelconque sous une étiquette, et avec TinyDBGetValue et la même étiquette, on récupère la même information. Si ça vous intéresse, cette vidéo vous en dira un peu plus. Voilà. Donc maintenant, dans la procédure readUserData, je vais mettre à jour TextboxName avec la clé name de user, qui est un dictionnaire, TextboxAdresse avec la clé adresse, TextboxEmail avec la clé email, TextboxTéléphone avec la clé téléphone et TextboxCatalogue avec la clé catalogue. Et puis, je peux afficher ces blocs en ligne pour gagner de la place. Voilà, j'ai terminé pour la définition et l'enregistrement du profil utilisateur. Je vais maintenant proposer le choix entre plusieurs catalogues en utilisant le spinner ou curseur animé Spinner List of Catalogs. Mais je dois d'abord définir la liste de catalogues comme je l'ai fait dans MapScreen de la version 2B. Cette fois-ci, je vais être un petit peu plus malin. Je vais affecter un nom à chaque jeu de données. J'ai récupéré dans MapScreen la variable goodJSON qui était définie comme une liste et je l'ai reprise sous forme de dictionnaire en ajoutant une clé ou un nom compréhensible pour chaque jeu de données. Dataset 1, Errors, Dataset 2, Restaurant Paris, San Francisco, Cambridge, Flowers Paris, Pokémons, Dropbox et Google Drive. Pour que ces noms apparaissent dans le spinner, j'indique au démarrage que les éléments affichés par le spinner, c'est la liste des clés, GetKeys de GoodJSON. Enfin, lorsque l'utilisateur aura sélectionné un nouveau catalogue, quand Spinner List of Catalogs After Selecting, je vais mettre dans Textbox Catalogue l'adresse correspondant à la clé sélectionnée, c'est-à-dire GetValue for Key Selection, dans le dictionnaire GoodJSON. Et s'il n'a pas trouvé la clé, on retient la valeur courante de l'adresse URL GeoJSON Catalogue. Voilà pour le choix du catalogue. On verra plus tard que ce catalogue de catalogue peut aussi être lu sur Internet.
Le dernier truc à faire, c'est l'ajout de l'information debug, vraie ou fausse, qui nous sera utile pour les essais. À chaque fois que l'on clique sur la checkbox debug, on enregistre cette valeur dans TinyDB sous l'étiquette debug. Et on doit aussi relire et afficher sa valeur initiale au démarrage, ce que je peux faire à la fin de la procédure readData. Voilà. On va tester les modifications apportées à Screen 1 avant de modifier MapScreen. En fait, je devrais tester à chaque étape, mais dans cette vidéo, je regroupe les tests pour gagner du temps. Ne faites pas comme ça et testez plus souvent. Je commence par renseigner le nom, l'adresse et l'email, et je clique sur le bouton Start. Il me prévient qu'il manque une information, c'est le numéro de téléphone qui est vide. Je le renseigne, et je vais aussi sélectionner un jeu de données, les fleuristes à Paris. Puis je clique sur Start qui va vérifier et enregistrer le profil utilisateur et ouvrir la carte. Pour l'instant, je n'ai pas encore modifié MapScreen, donc il affiche le jeu de données qui est défini dans MapScreen. Je sors de l'écran et de l'application, puis je la relance. Elle a bien récupéré le nom et l'adresse, mais le numéro de téléphone est dans l'email. L'erreur se trouve dans la procédure ReadUserData, où j'ai assigné la clé téléphone à la textbox email, au lieu de la textbox téléphone. Ce que je corrige, et j'ajoute aussi la ligne qui vérifie que l'adresse du catalogue n'est pas vide. Notez que le numéro de téléphone a été pris en compte comme un nombre, il vaut mieux le renseigner avec des blancs, et nous reviendrons plus tard sur sa validation. Si j'essaie à nouveau, je vois qu'il enregistre et relie correctement le profil utilisateur avec TinyDB. Et si vous voulez, avec Collapse, vous pouvez réduire les fonctions de service pour laisser visibles les fonctions principales. Passons maintenant à MapScreen, où on doit récupérer l'adresse du catalogue choisie dans Screen 1 et transmise en paramètres à l'ouverture. On va aussi enregistrer la position de la carte et la centrer sur l'utilisateur. On a vu plutôt la partie design, donc on passe au bloc en partant de la version 2B. On peut déjà supprimer les listes de catalogues GoodGeoJSON et BadGeoJSON que l'on a repris dans Screen 1 sous forme de dictionnaire. Au démarrage, on va récupérer l'URL du catalogue transmis dans le paramètre StartValue. Ce bloc se trouve à gauche dans la catégorie Contrôle. En option, j'ajoute un test sur StartValue. Si elle est vide, on garde la valeur initiale de GeoJSON URL. Cette astuce permet à ceux qui utilisent le mode Connect plutôt que le mode Build, de tester leur application sans repasser par Screen 1. Voilà pour la récupération de l'adresse du catalogue. En complément, avec TinyDB, on va enregistrer la position de la carte en sortie de MapScreen et la relire à chaque ouverture de MapScreen. On commence par créer une procédure, ReadMapData, pour relire la position, et on appelle cette procédure au démarrage de MapScreen. Dans la procédure, avec le bloc MapPanTo, on va dire à la carte de se centrer à la latitude qui est lue avec le bloc TinyDBGetValue sous l'étiquette latitude, et si cette étiquette n'est pas trouvée, je vais retenir la latitude de Paris. De même pour la longitude avec l'étiquette longitude et le zoom avec l'étiquette zoom. Et pour gagner de la place, j'affiche ces blocs en ligne. Pour l'enregistrement de la position de la carte en sortie de MapScreen, en MapScreen BackPrest. Avec TinyDB StoreValue, j'enregistre sous l'étiquette latitude la latitude du centre de la carte, map.latitude, sous l'étiquette longitude la longitude du centre de la carte, et sous l'étiquette zoom le zoom du centre de la carte, map.zoomLevel. Je termine ce script avec le bloc CloseScreen, puis j'affiche ces blocs en ligne. Voilà, c'est fini pour l'enregistrement et la récupération de la dernière carte affichée. On va maintenant vérifier le fonctionnement de l'application avec ces deux modifications, l'affichage du catalogue sélectionné dans Screen 1 et l'enregistrement de la position à la carte. Au lancement, on relie bien le profil utilisateur déjà enregistré où j'ai sélectionné le catalogue des fleuristes à Paris. Et quand je clique sur Start, il affiche bien ce catalogue des fleuristes. Je peux déplacer la carte et zoomer sur les magasins. Je reviens à Screen 1 et si je relance avec Start, la carte revient à l'endroit où je l'ai laissée,
Donc il a bien enregistré et relu sa position. En faisant des essais sur d'autres jeux de données, qui sont loin de la position initiale, comme les restaurants de Cambridge ou de San Francisco, on se rend compte que la fonction MapPanTo ne va pas tout à fait aux coordonnées indiquées. Ça sera probablement corrigé dans une prochaine version d'App Inventor, et ce n'est pas vraiment un problème si les restaurants sont proches des coordonnées initiales du composant map. Mais si vous voulez que l'application marche partout dans le monde, il faut appeler plusieurs fois MapPanTo, et je vous propose ici une solution où j'appelle trois fois PanTo avec un composant horloge ou un timer. Voilà. On a maintenant une version qui donne le choix entre plusieurs catalogues de données et qui garde en mémoire la position de la carte. Enfin, si vous voulez, on peut décider de centrer la carte sur la position de l'utilisateur quand il garde le doigt appuyé, ce qui déclenche l'événement Map Long Press At Point. On va d'abord vérifier que la géolocalisation est disponible, si Location Sensor has Longitude Latitude, et si oui, on déplace la carte sur la position de l'utilisateur avec le bloc MapPanTo. Mais il est possible que la géolocalisation ne soit pas disponible pour différentes raisons. La géolocalisation du smartphone peut être désactivée, et vous pouvez le vérifier dans les paramètres du smartphone, dans l'onglet Localisation, puis l'onglet Accès à ma localisation. Si l'option n'est pas activée, la liste des providers ou services du composant de localisation sera vide. Je le vérifie et si oui, j'affiche un message pour dire à l'utilisateur d'activer cette localisation. Par défaut, elle utilisera le signal des satellites GPS. Cette solution peut vous suffire, elle va bien fonctionner à l'extérieur mais pas dans les bâtiments ou alors seulement près des fenêtres. Pour que ça marche aussi à l'intérieur, on peut utiliser un autre service ou provider, la géolocalisation par réseau, network ou Wi-Fi, qui fonctionne bien à l'intérieur et en ville, mais avec l'inconvénient de laisser vos traces sur Internet. Si ça vous intéresse, cette vidéo vous propose une analyse plus détaillée. Si j'affiche la liste des services ou providers de localisation disponibles, je trouve en général le GPS, mais pas l'option Wi-Fi ou network. Il faut en effet autoriser explicitement cette option, car elle permet à d'autres de vous localiser. Dans l'onglet de localisation, descendez et sélectionnez « Précision localisation Google » que vous pouvez activer, et là, il vous dira que l'option Network est disponible. Donc, pour passer du GPS au Wi-Fi, j'ajoute d'abord un test pour vérifier que Network est dans la liste des providers. Et si oui, j'affiche cette liste et je propose à l'utilisateur de choisir entre GPS et Network. Une fois que l'utilisateur a choisi, dans l'événement After Choosing, on déverrouille le provider, on modifie sa valeur et on le reverrouille. Voilà pour le recentrage de la carte sur l'utilisateur. Vous avez cette version simple qui fonctionne à l'extérieur. Sinon, c'est un peu plus compliqué car App Inventor ne permet pas le choix automatique de la meilleure localisation disponible. On va maintenant tester. J'ai désactivé la localisation du téléphone et si je garde le doigt appuyé sur un point de la carte, il me dit d'activer cette localisation. Ce que je fais dans les paramètres et l'onglet localisation, puis je reviens à la carte. Si je reste à l'intérieur, la localisation ne fonctionne pas. Donc je vais sur le balcon et au bout d'un moment, ma position apparaît sur la carte et je peux la recentrer en gardant le doigt appuyé. Je rentre à l'intérieur, reviens au premier écran et relance la carte. Même si j'attends, il ne trouve pas les coordonnées GPS et comme je n'ai pas autorisé l'option Wi-Fi, Network ou Précision localisation Google, il me propose de l'activer. Dans les paramètres et l'onglet Localisation, je sélectionne Précision localisation Google et je l'active. Je reviens à la carte et cette fois-ci, il me propose de choisir entre GPS et Network. Je choisis Network, je reste à l'intérieur, et au bout d'un moment, un petit bonhomme apparaît à l'endroit où je suis, et il recentre la carte sur ma position. Voilà. Notre application permet maintenant de se localiser à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis allé vite, cette vidéo vous en dira plus si ça vous intéresse. On a terminé pour MapScreen, et avec clic droit Collapse, on peut réduire les fonctions de service qui ne sont pas essentielles à la compréhension. Et vous pourrez retrouver cette version de l'application dans le repository. C'est la version GitShare 3A.
Nous avons traité l'enregistrement de l'utilisateur dans Screen 1, l'affichage du catalogue dans Map Screen et l'affichage de la liste des plats dans l'écran Shop. Il reste à aborder la préparation et l'envoi d'une commande à un restaurateur. On va utiliser les boutons plus et moins pour ajouter ou retirer le plat sélectionné à la commande et le troisième bouton pour passer cette commande. Son contenu est affiché ici avec une ligne par plat avec la quantité et le prix, puis le montant total. On retrouve ces informations dans la commande envoyée avec un en-tête qui rappelle les coordonnées de l'utilisateur et du restaurateur. On va repartir de la version précédente pour compléter l'écran Shop. Au niveau du design, on ajoute un arrangement vertical pour regrouper l'ensemble des composants relatifs à la commande, un label order pour afficher le contenu et le montant. Ce label est placé dans un arrangement vertical défilant pour éviter de limiter le nombre de lignes. Ensuite, dans un arrangement horizontal, on met trois boutons. Bouton Add pour ajouter le plat sélectionné, bouton Subtract pour le retirer et bouton Order pour passer la commande. Dans les composants invisibles, on ajoute un composant TinyDB pour relire le profil utilisateur, un composant Texting ou SMS pour envoyer la commande et un composant Horloge pour dater cette commande. Pour chaque commande, on aura besoin du nom et du prix de chaque item ou de chaque plat. Il faut donc les décrire dans JSON comme des objets avec ses propriétés. Ils seront ensuite convertis en dictionnaire avec ces mêmes clés. On ne traitera plus les items décrits par une chaîne de caractères ni par une liste, comme c'était le cas des Pokémon. Dans les blocs de l'écran Shop, on doit donc modifier la procédure SetListViewElements que je développe pour la modifier. Je supprime les cas où un item est une chaîne de caractères ou une liste. Je vérifie seulement que l'item est bien un dictionnaire et si ce n'est pas le cas, j'affiche le message qui indique que ça n'est pas un objet. Puis, je réduis l'affichage de cette procédure avec Collapse. Je vais ranger les blocs à gauche et passer les lignes en affichage externe. Ça va me faire de la place à droite pour les blocs de commande. Donc, j'aurai à gauche l'algorithme d'affichage et de sélection. Et à droite, l'algorithme de commande. Ça va me donner ce résultat qui reste assez facile à lire. Donc, on est prêt à passer au programme, mais on va d'abord analyser et préciser ce qui se passe quand l'utilisateur clique sur un des trois boutons. C'est du pseudocode, un langage intermédiaire entre le langage naturel et les blocs. Quand il clique sur le bouton Add, on doit ajouter 1 à la quantité de l'item sélectionné. Quand il clique sur le bouton Subtract, on doit retirer 1 ou ajouter moins 1. Et on va le faire dans la procédure Add to Selected Item, avec en paramètre la quantité à ajouter. Cette quantité sera gérée avec une nouvelle clé, la clé Quantity que je représente ici au format JSON. Et dans App Inventor, elle sera lue avec le bloc getValueForKeyQuantity dans le dictionnaire item. Et si cette étiquette n'est pas trouvée, on renverra 0 parce que ça veut dire que pour l'instant, cet item n'a pas encore été commandé. Et on pourra écrire ou mettre à jour cette quantité avec le bloc setValueForKeyQuantity in dictionary item. Après avoir mis à jour la quantité, la procédure addToSelectedItem va mettre à jour le détail de la commande dans le label order. Le texte à afficher sera calculé par la fonction OrderContentText qui fait elle-même appel à la fonction qui calcule le montant total de la commande. Ensuite, après la sélection des produits, l'utilisateur va cliquer sur le bouton Order. On va rappeler en en-tête les coordonnées de l'utilisateur et du restaurant, puis le détail de la commande et demander confirmation. L'en-tête est calculé par la fonction OrderReaderText. Enfin, si l'utilisateur confirme, on envoie la commande. On a donc 4 événements et 4 procédures ou fonctions qui vont donner lieu à autant de scripts. On va commencer par les fonctions et on finira par les scripts ou les événements qui les utilisent. Alors allons-y, je vais commencer par la fonction total qui doit me renvoyer la somme des produits quantité prix. Je vais commencer par déclarer une variable locale initialisée à 0 et avec le bloc doResult, je lui dis que c'est cette valeur qui sera renvoyée. Ensuite, pour chaque item de la liste des items, je vais ajouter au total précédent le produit du prix par la quantité. Et si le prix n'est pas trouvé, je mets une valeur importante. Si la quantité n'est pas trouvée, je mets 0. Et cette fonction, je vais la réduire pour qu'elle ne prenne pas trop de place et je vais la placer en bas à droite.
Ensuite, on va coder la fonction qui renvoie le texte de l'entête, HeaderText, avec le nom et l'adresse de l'utilisateur et du restaurateur. Pour l'utilisateur, on va relire l'étiquette User dans TinyDB et on va extraire les clés Name et Adresse. Et pour le restaurateur, on va extraire les clés Title et Adresse de la variable Shop. Dans la fonction OrderHeaderText, j'initialise la variable Text et je dis avec un bloc de contrôle doResult que c'est cette variable qui doit être renvoyée. On récupère ensuite dans la variable User la valeur lue sous l'étiquette User dans TinyDB, et si jamais on ne trouve pas cette étiquette, on récupère un dictionnaire vide. Dans la variable Text, avec un bloc de jointure, on va mettre les coordonnées de l'utilisateur, from avec un retour à la ligne, backslash n, son nom récupéré dans la clé name, un nouveau saut de ligne, puis son adresse et deux sauts de ligne. Pour gagner de la place, je passe ces blocs en affichage en ligne. Ensuite, pour le destinataire, tout, un saut de ligne, puis dans un nouveau bloc de jointure, le nom du restaurant dans la clé title, un nouveau saut de ligne, son adresse, puis for, qui va précéder la commande. Je réduis et je range ensuite ces fonctions avec collapse pour avoir de la place. Passons à la fonction qui renvoie le détail de la commande avec pour chaque item le montant qui est égal à la quantité multipliée par le prix, puis la quantité, puis le nom de l'item. Pour récupérer ces informations, je vais utiliser le bloc getValueForKey avec les clés quantity, price et name. On commence avec la déclaration de la variable à renvoyer, puis pour chaque item dans la liste des items, si la quantité est supérieure à 0, avec un bloc de jointure, j'ajoute un espace au texte précédent, puis le montant commandé pour cet item en multipliant la quantité par le prix. Et si le prix n'est pas trouvé, c'est peut-être un oubli, donc je mets une valeur élevée. Ensuite, j'affiche les composants en ligne pour gagner de la place, j'ajoute la monnaie, puis la quantité commandée, puis une croix, le nom de l'item et un saut de ligne. Et après la boucle, j'affiche le total calculé par la fonction total que l'on a vu tout à l'heure. Cette fonction est terminée, je peux maintenant la réduire avec collapse et la ranger en bas de l'écran. La dernière procédure, addToSelectedItem, consiste à ajouter la quantité transmise en paramètre d'appel à la quantité déjà commandée pour l'item sélectionné. On vérifie d'abord qu'un item est sélectionné, et si oui, on récupère l'item dans la liste des items à l'indice sélectionné. Puis, avec un bloc setValueForKeyQuantity, dans le dictionnaire item, on met la somme de la quantité actuelle, lue avec le bloc getValueForKeyQuantity dans item, et de la valeur quantity qui est transmise en paramètre. Il faut quand même vérifier que la nouvelle quantité commandée n'est pas négative. Donc, si getValueForKeyQuantity est plus petite que 0, alors on la remet à 0 avec setValueForKeyQuantity du dictionnaire item. Enfin, on met à jour le label order en appelant la fonction qui renvoie la commande actualisée. Voilà, on a terminé et on peut aussi réduire cette procédure avec collapse pour la ranger en bas. On a fini avec les procédures, elles vont nous simplifier l'écriture du code pour les événements. Pour le bouton add, il suffit d'appeler la procédure addToSelectedItem avec 1 en paramètre, et pour le bouton subtract, la même chose avec moins 1 en paramètre. Pour le bouton order, on va utiliser un bloc du notifier pour proposer un choix entre cancel et confirm, et avec order comme titre. Dans le message, on met la jointure du header qui est renvoyé par la fonction OrderHeaderText et le détail de la commande envoyée par la fonction OrderContentText. Un petit truc à savoir, c'est que le notifier affiche le texte au format HTML. Il ne va pas interpréter les backslash n comme des retours à la ligne. On va donc les remplacer par l'étiquette br, break, avec un bloc replaceAllText. Voilà. Il nous reste à gérer la confirmation et l'envoi de la commande. Si l'utilisateur a fait le choix du bouton confirm, on va dire que le SMS va s'adresser au numéro de téléphone récupéré dans la clé téléphone de la variable shop, le restaurant. Mais dans la phase de mise au point, il vaut mieux éviter d'envoyer de fausses commandes si vous ne voulez pas vous fâcher avec les restaurateurs. Pour ça, dans Screener, on a prévu le mode debug, on le récupère dans TinyDB, et si debug est vrai, on va envoyer la commande à soi-même.
Je récupère mon profil utilisateur dans TinyDB sous l'étiquette User et dans ce profil qui est un dictionnaire, je récupère la clé téléphone avec GetKeyTéléphone. Et si debug n'est pas vrai, j'envoie le SMS au numéro de téléphone du restaurateur. Ensuite, dans le message, on met la date actuelle et un retour à la ligne, puis le header renvoyé par la fonction OrderHeaderText et le détail de la commande avec le total renvoyé par la fonction OrderContentText. Et on envoie le message avec la procédure TextingSendMessage qui vous proposera une confirmation avant envoi ou la procédure TextingSendMessageDirect qui enverra directement le SMS. Enfin, avec le bloc Close Screen, on peut maintenant fermer l'écran Shop pour revenir à Map Screen et ça y est, on a terminé. Je range ces nouveaux blocs sur la droite à côté des précédents avec ce résultat pour l'écran Shop. Mais il y a un truc qui manque dont je me suis aperçu pendant les essais que je vais corriger tout de suite. C'est la permission d'envoyer des SMS. Je pensais que l'application demanderait cette permission à l'utilisateur, comme c'est le cas pour la géolocalisation. Eh bien non, pour les SMS, dans Shop, il faut demander l'autorisation dans le programme. Donc au démarrage de l'écran Shop, dans Shop Initialize, je vais ajouter le bloc qui demande cette permission, Shop Ask for Permission Send SMS. Et si cette permission est refusée, j'affiche une alerte. Voilà, on peut revenir à une vue plus générale de l'ensemble du code de l'application. C'est la version 3B que vous pouvez récupérer dans le repository à l'adresse qui est indiquée ici. On va maintenant passer aux essais. Avec Build, je crée le flashcode et je télécharge l'application depuis le smartphone avec l'AI Compagnon. Je la lance et je commence par renseigner mes coordonnées avec le nom, l'adresse, l'email, le numéro de téléphone et le catalogue de données que je préfère. Par exemple, les restaurants à Paris. Je reste en mode debug, je clique sur Start pour afficher la carte avec la liste des restaurants et comme c'est la première fois que j'utilise cette version, il me demande d'autoriser la géolocalisation. Puis je sélectionne un restaurant dont les plats sont affichés, j'ajoute un burger, deux veggie salades et une bouteille de Bordeaux pour un total de 58,50€. Je passe la commande avec le bouton Order, je la vérifie et la confirme. Il affiche brièvement Message Sent et comme je suis en mode debug, je reçois le SMS que je peux ouvrir. Dans ce SMS, je peux cliquer sur l'adresse du restaurant, ouvrir la carte et voir que l'itinéraire m'indique un trajet de 19 minutes. Voilà, on a atteint les objectifs de cette version de base de l'application. On aura vu beaucoup de choses. L'analyse et la définition de données structurées avec JSON, celle de données géolocalisées avec GeoJSON, le partage de données sur Internet avec GitHub, Dropbox ou Drive, leur lecture et leur décodage depuis un smartphone, la définition et l'enregistrement du profil utilisateur, l'affichage et la sélection d'objets géolocalisés sur une carte, l'affichage de produits proposés par un commerçant, la préparation d'une commande et son envoi par SMS, etc. La compréhension de ces concepts peut vous mener très loin, surtout si vous organisez votre travail sur le principe du computational thinking proposé par Janet Wing. Vous ne maîtrisez peut-être pas les détails du programme, mais l'important, c'est d'en savoir assez pour pouvoir le modifier. Pensez alors à décrire ce que vous allez faire avant de vous mettre à coder, et quand vous avez codé une fonction, vérifiez son bon fonctionnement avant de passer à la suivante. Voilà. Alors je ne sais pas combien d'entre vous auront tenu le choc pour arriver jusqu'ici. Faites-moi signe à l'adresse indiquée ici pour dire ce qu'il faut améliorer, ce que vous avez trouvé bien. J'ajouterai enfin un chapitre pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Salut! La version Click and Collect que l'on a réalisée est une base fonctionnelle à compléter. Nous verrons ici quelques extensions possibles et des améliorations en bonus. Vous pouvez déjà publier cette application sur le Play Store. Vous trouverez des indications pour le faire dans la documentation App Inventor et nous verrons en bonus une solution d'échange direct par flashcode. Pour les livraisons après commande, on peut faire appel à des coursiers et je le ferai dans une deuxième vidéo de la même chaîne YouTube. App Inventor permet de calculer les itinéraires et les temps de trajet avec les fonctions de navigation du composant map et avec une base de données temps réel comme Firebase, on peut afficher en continu la position des coursiers sur la carte. La gestion des paiements devrait aussi vous intéresser.
C'est une question délicate avec des enjeux de sécurité. Il existe plusieurs solutions, nous nous limiterons au portefeuille de paiement. Pour la France, la solution Paylib Lif est probablement la meilleure. Elle est disponible dans les banques françaises et sans surcoût par rapport à la carte bleue. Par contre, le nombre d'abonnés reste actuellement limité. PayPal est plus répandu, mais prend une commission très élevée à chaque transaction, donc plutôt à éviter. Vous avez aussi des solutions intégrables dans l'application, le In-App Billing, à cette adresse. Mais cette solution est plutôt adaptée à la vente de produits numériques. Il existe aussi des API ou librairies qui permettent d'intégrer à la commande des solutions comme PayPal. Alors, dans un paiement, qui prend l'initiative de la transaction bancaire et quand ? Dans le cas de Uber, c'est à la commande et le client paie à Uber qui paie ensuite au commerçant. Avec des solutions de type In-App Billing, c'est similaire, la transaction se fait sans confirmation du vendeur. Dans la logique décentralisée de notre application, il vaut mieux que le déclenchement des opérations de paiement se fasse plutôt du côté du vendeur, ce qui vaudra acceptation de la commande. À réception du SMS, il émet une facture adressée au client qui paye. Le vendeur reçoit ensuite l'avis de paiement et fournit la commande. Dans ce scénario, client et vendeur se sont mis d'accord sans intervention d'un tiers. Et voilà ce que ça donne, par exemple, avec PayPal. Passons maintenant à quelques modifications en bonus. Vous pouvez publier votre application sur le Play Store comme vu plus haut, mais c'est quand même assez compliqué. Dans un premier temps, vous pouvez aussi diffuser votre application avec un flashcode à scanner dans un mail, sur un flyer, à l'entrée des restaurants ou dans l'application elle-même. La version exécutable de votre application, le fichier APK, doit être téléchargée sur votre serveur. Je l'ai enregistré sur GitHub à l'adresse onvaessayer.github.io/gitshare.apk. Vous pouvez récupérer le flashcode en utilisant un service disponible à cette adresse, suivi de l'adresse du fichier APK. Dans cette URL, les données qui suivent le point d'interrogation sont des paramètres. CHT égale QR pour un QR code, CHS égale 320 par 320 pour la taille et CHL pour la chaîne de caractères à convertir. Générez le flashcode dans votre navigateur, flashez-le avec votre smartphone, installez l'application et vérifiez qu'elle fonctionne. Vous pourrez envoyer ce flashcode à vos amis ou bien l'imprimer. Passons au programme. Nous allons afficher le flashcode quand l'utilisateur clique sur l'image en haut de screen 1. Cette image doit être cliquable, ce que vous pouvez préciser dans le design, mais que je vais préciser au démarrage avec le bloc setImage1.clickableTrue. Puis, j'initialise la variable flashcode avec l'URL vue plus haut. Quand l'utilisateur clique sur l'image, l'événement image1 clique est déclenché. Si le flashcode est déjà affiché, je reviens à l'icône en 64 par 64 pixels, et sinon j'affiche le flashcode en 320-320. Voilà, on a terminé cette modification que vous pouvez tester. La modification suivante consiste à partager sur Internet un catalogue de catalogues, ce qui permettra de séparer les groupes de commerçants par ville ou par activité commerciale. On commence par partager sur Internet un catalogue de catalogues, comme celui-ci, où on sépare les fleuristes, les restaurants à Paris, ceux à Cambridge, à San Francisco, ou les catalogues sur Dropbox et Drive. Ce catalogue de catalogues est un objet JSON qui deviendra un dictionnaire App Inventor. Chaque clé contient le nom du catalogue et chaque valeur contient son adresse. Ensuite, dans le programme, j'assigne l'adresse de ce catalogue de catalogues à la variable URL catalog of catalogs, puis je crée la procédure qui va lancer la lecture du fichier. À sa réception, dans le script de l'événement web.gottext, je teste le code de la réponse qui doit être égal à 200. Je décode le contenu et si c'est un dictionnaire, je dis que le spinner de choix du catalogue doit afficher la liste des clés, c'est-à-dire les noms de catalogues. Il ne faut pas que j'oublie d'appeler la procédure loadCatalogOfCatalogs au démarrage de screen 1. Voilà, et c'est terminé pour cette modification que vous pouvez tester. Et si vous modifiez votre liste de catalogues sur Internet, elle sera mise à jour pour tous les utilisateurs de l'application. D'ailleurs, si vous avez des jeux de données en Creative Commons, vous pouvez me les envoyer. Dans la modification suivante, on va vérifier que le numéro de téléphone fonctionne et que ce n'est pas un faux numéro. Pour ça, on va envoyer un SMS à soi-même avec un code secret à vérifier.
Dans le design, j'ai ajouté un composant texting ou SMS. Et dans les blocs, je définis la variable secret et la variable check number. Quand l'utilisateur clique sur le bouton Start, le numéro sera considéré comme validé si deux conditions sont satisfaites. Premièrement, check number doit correspondre au numéro affiché. Ça permet de vérifier que le numéro n'a pas changé depuis sa dernière validation. Deuxièmement, le bouton Start doit afficher Start. Ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de vérification en cours. Si ces deux conditions sont vérifiées, on peut continuer, on enregistre le profil utilisateur et on ouvre MapScreen. Sinon, on appelle une nouvelle procédure Check Téléphone. Dans cette procédure, on commence par dire au bouton d'afficher Check Téléphone sur fond orange. On remettra le bouton à Start après vérification. On prévient l'utilisateur du contrôle par SMS. On précise que le numéro du SMS est celui de la zone de texte. On met un nombre aléatoire dans la variable secret et comme message. Et on active la réception des SMS, puis on envoie. Quand le SMS arrive avec Texting Message Received, on désactive la réception des messages, puis on compare le contenu du message à la variable secret. Si ça correspond, le numéro de téléphone est validé. On récupère le numéro dans le paramètre Number et on le met dans le texte du téléphone et dans Check Number, puis on passe le bouton vert avec Start. Sinon, on n'a pas trouvé le code secret, le numéro de téléphone n'est pas validé, on prévient l'utilisateur, le bouton Start reste à l'orange avec Check Téléphone. Au démarrage, si vous voulez éviter de valider à chaque utilisation le numéro enregistré dans TinyDB, vous pouvez assigner ce numéro à Check Number dans la procédure Read User Data. Voilà, on a terminé. Vous devez tester les différents cas possibles, en particulier les faux numéros. Et finalement, voilà ce que ça donne pour Screena après réduction et rangement des blocs. La dernière modification que l'on va faire va améliorer l'affichage dans l'écran Shop. On va utiliser une des configurations du ListViewer qui permet d'afficher dans chaque ligne un texte principal, des détails et une image. Dans le design, pour la propriété ListViewLayout du ListViewer, choisissez la dernière option, Image, Main Text et Détails en vertical. Dans les blocs de la procédure ListViewElements, on va modifier l'ajout d'éléments à la liste. Au lieu d'ajouter une chaîne de caractères, on va passer par une fonction dédiée, ListViewCreateElement, dans laquelle on va mettre le texte principal, le détail, ici la liste des ingrédients, et enfin l'image de l'item, en passant par goût d'URL pour les adresses relatives. On va garder les deux affichages et basculer de l'un à l'autre en cliquant sur l'image du haut, ce qui va modifier la valeur de Display1 dans TinyDB. Si Display1 est vrai, on garde l'affichage précédent, et s'il est faux, on affiche chaque item avec son image. La bascule se fait en cliquant sur l'image. On lit dans TinyDB la valeur de l'étiquette Display1, on l'inverse et on l'enregistre. Puis on relance la lecture pour rafraîchir. Et quand l'utilisateur sélectionne un item, on ne remplace l'image du restaurant par celle de l'item que si Display1 est vrai. Le nouvel affichage est mieux, mais la lecture des images va augmenter le volume de données échangées sur Internet. Donc des délais plus longs, surtout si la liaison est de mauvaise qualité. Veillez d'ailleurs à choisir de très petites images ou à les redimensionner avec une largeur de l'ordre de 200 pixels. Voilà, vous retrouverez cette version dans le repository indiqué ici, sous la version GitShare 3C. J'y ai ajouté un test dans MapScreen pour empêcher de cliquer sur plusieurs items à la fois. Vous verrez que ça consiste à gérer une variable cliquable qui empêche l'ouverture de Shop jusqu'à ce qu'il rende la main à MapScreen. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Bon courage pour vos projets et à bientôt. Tenez-moi au courant de ce que vous faites et envoyez-moi les données que vous voudrez partager. Salut!